ça va être efficace. Allez. Attendez, je le regroupe. Au cas où je prends cette arme. Votre désir de croiser le fer avec moi vous sera fatal. Attends, je tire une balle de banshee. Voilà. Et on va voir ce qu'il va faire ce petit truc. Oulou, c'est plus mieux que genre c'est plus mieux que l'arme normale. Celui-là elle est beaucoup plus efficace. Mais attention, quand il explose, ça fait des dégâts. Et voilà, j'ai failli mourir. Mais là, il n'y aura pas de problème. Je sais pas si on peut l'améliorer dans Shadow of Evil, mais ce serait bien qu'ils mettent pour ceux qui ont acheté aucun DLC, ce serait bien parce que sinon ne pas améliorer sa vente d'Apoticon sur Shadow of Evil, ce serait pas amusant. Déjà vous pouvez faire beaucoup de manches et je pense que ce serait mieux qu'ils mettent une solution il faut qu'ils fassent une mise à jour et qu'ils mettent une solution dans Shadow of Evil. Ce serait beaucoup mieux pour ceux qui n'ont pas les DLC. Et tout le monde pourrait l'améliorer en plus. Bon, on va aller faire des boîtes, hein. Ou je sais pas. J'ai quoi comme gobel gom? Liquidation. Ah, on va essayer de faire les essais. Bon. Je sais pas ce que ça donne comme récompense à part l'espèce de petit rond vert là que je vais vous faire montrer. Celui-là là. Ça donne des munitions. Attendez, désolé. Parce que il y a un petit système genre dans une minute ça ferme la télé automatiquement. Voilà. Bon, tuer 3 magots à l'intérieur de la petite ronde, il y en avait que un. Et 5 zombies sur chaque île dans une même manche. On va essayer. Je peux avoir 2 armes spéciales. Ah merde, pourquoi je l'ai changé contre la banshee? Mais bon, ça me fait 2 armes spéciales. Oh bah ça tombe bien les margois. Wesh, on peut avoir 2 armes spéciales sur toi. Non mais c'est trop cheaté. C'est surcheaté même. C'est pour ça que j'adore le pouf. Il peut tuer le margot aussi. J'appelle ça le pouf parce que hein, c'est plus mieux de l'appeler comme ça. Ça s'appelait comment déjà? Le seul défaut de l'arme, ouais, c'est que tu peux avoir que les zombies en face. Sinon, si on peut avoir que les zombies autour, ce serait trop cheaté. Voilà, je l'ai amélioré. On va prendre la machine de la mort. Que cette machine pourfende la horde des sans-âmes. Bon, au moins, je vais vous faire montrer le pistolet éclair amélioré. Et peut-être. Oh là, j'ai eu un trophée. Merveilleux. Peut-être c'est amélioré des armes spéciales. Je sais pas. Parce que j'ai pas checké les trophées. Désolé pour le bruit. Mais avoir des armes spéciales aussi, une mission il suffit grave vite. Déjà il faut faire des tours, sinon si tu fais pas de tours et que tu uses ton arme spéciale, ça ne sert à rien. Vous voyez? Et je vais aller, c'était de quel côté le truc? Ah, c'était là-bas.
Ouais, j'allais prendre une caisse, au moins, si j'avais quelque chose. Les rémunérables, par exemple. Ah, je vous ai pas fait montrer glitch avec le Ragnarok. Il marche encore. En fait, quand on avait joué à Detective Machina, quand à l'époque, non, très l'époque, je veux dire, quand Goro de Crovi et Révélation, ils étaient pas encore sortis, en fait, on n'arrivait pas à faire le glitch sur Crâne de Nain Sapo illimité. Mais je pense que c'est que avec les points de choc que je peux faire. Parce que le gameplay de Siegfried, j'ai essayé aussi, ça ne marche pas. Et ça marche avec le point de choc. Donc le glitch est encore disponible. Si vous voulez pas qu'il soit patché, peut-être. Je ne sais pas si très si vous me regardez les vidéos hein, et les vidéos de Hilo. Je pense très rarement. Hein, parce que s'il regarde mes vidéos, ce serait du n'importe quoi. Je veux dire, d'où ils ont trouvé notre vidéo et tout ça. Mais bon. Vous voulez que je vous explique le glitch de Ragnarok Unité? C'est très simple. Vous sortez vos Ragnarok, vous faites rien dès que vous avez dans votre main, et dès que vous voyez votre arme apparaître dans votre main, vous appuyez encore sur L2 R2 et vous aurez les points de chaque unité. Même Sniper Tiger l'avait fait, mais c'est moi qui avais appris en fait. C'est moi qui l'avais découvert en premier par un gars en fait. Et après il a voulu faire en vidéo, mais bon, je vais pas dire que je le copie, mais c'est moi qui l'avais trouvé, qui l'avait informé en fait dans des raisons graphiques. Quand c'est Tsubunoshima, Goro de Crovi et Révélation, ils étaient pas encore sortis encore. Le vent vous emportera, démon. C'est très amusant de faire ce glitch, mais c'est inefficace contre les Margois, les Panzers, etc. Mais les veilleurs, ouais, les petits monstres là qui te sautent à la gueule, ouais, ça marche, c'est sûr. Après, les parasites, je sais pas, j'ai jamais essayé contre eux. Mais bon, maintenant, si vous faites ce glitch, ça va être très amusant. Et vous pouvez avoir vos points de choc quand vous voulez. Mais quand il y a les Margois, enlevez vos points de choc et mettez-vous à tirer sur le Margois dès que vous l'avez tué et vous avez rempli votre arme spéciale, les Ragnarok. Vous pouvez les reprendre et vous amuser. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Restez ici parce que peut-être la vidéo elle va être presque finie. Donc, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like, et ça fait plaisir. Et je vous dis peut-être à très bientôt dans la prochaine vidéo. Peut-être je vais faire montrer ce que les défis donnent. Ça peut donner un atout ou une arme améliorée. On verra. Mais si je fais les défis, on se retrouvera dans quelques minutes ou heures. Je sais pas. Mais en tout cas, prenez soin de vous. Bye bye. Peace. Ah, ils ont pas volé. Je vais pas vous quitter sans avoir fait voler les zombies. Je dégage. Je vais faire voler les zombies et après je vais vous quitter. Mais avant que la durée ne finisse aussi. Dégagez. Allez, déformez-vous là. Allez. Il faut que j'ai une nuée de zombies. Allez. Piste. Ah non, j'arrive pas encore. Je vais faire voler vraiment des zombies, genre je veux qu'ils volent grave bien, regarde comme ça. Piste. Allez, au revoir. Et j'allais prendre le kaboom, mais bon, allez. Ciao tout le monde.